Californie, 1966. C'était des élans qu'il y avait en chemin. On voyait. Les puits d'huile en descendant en Californie. Ça, c'était un beau voyage. On était juste notre petite famille, là. Un très beau voyage. Ouais, ben tu vois, Pierre a 12 ans là-dessus, puis Rock a 10 ans. Oui, l'auto qu'on a, ben, on dirait qu'elle a deux couleurs, là. C'est la lumière, hein, le soleil qui reflète, la porte ouverte, là. Là, on est dans l'Utah, quelque chose de même, là, où il y a des gros rochers. Salt Lake City. Ouais, c'est les montagnes. Là, la plage, là, fallait marcher 15 minutes sur la plage pour aller sur le bord de l'eau, tellement qu'elle est large. Le Rhin, il l'a pas fait parce que c'est comme, dessus, il y avait une croûte, comme l'hiver, là, quand il pleut sur la neige, tu sais, il y a une croûte, puis tu renfonces, ben, c'était de même. C'était du sable en dessous, puis dessus, il y a une croûte. C'est le sel du lac qui est là, ce qui se dépose, tu sais. Regarde, là, il y avait des mines de copper, et puis ils jettent les résidus, puis ça fait des chutes de feu. C'est du cuivre. Ouais. Des mines de cuivre. On a arrêté, là. Il y avait des Indiens dans ce coin-là.
California. Oui, c'est dans les Tetons. Mountain. C'est lui. Ouais, ben c'est parce qu'on est en auto. On filme assis dans l'auto pendant qu'il conduit, tu sais. Tu filmes le paysage. Fait que c'est pour ça que ça bouge. C'est là, on est sur le bord de la piscine chez Denise, la piscine municipale. Pierre dans l'eau. Ouais, puis il va y avoir Michael, le fils de Denise, qu'on va voir. Nina, sa petite fille. J'espère qu'on va voir. Parce que des fois, tu as des souvenirs, puis c'est pas les mêmes que tu vois. C'est dans ta tête. Ben ça, c'est Michael. Ouais. Aujourd'hui, je suis noir, noir, noir. Puis là-dedans, il y en a la plupart. Il est moitié portugais, moitié québécois, lui. Son père, c'est un portugais. On les a emmenés, Denise travaillait dans le jour. Fait qu'on allait se baigner, puis on emmenait les enfants. C'est moi qui filme. Là, on va voir Laurent. Tu vois, Laurent, il avait ses béquilles. Fait que c'est pour ça qu'il avait de la misère à filmer, là. De ski. Et me v'là. Bon, tu vois, là, il a pris sa caméra, là. Là, je m'en vais me baigner. Ouais. Non, mais peut-être que c'était un autre aussi, puis qui ressemblait. Parce que ça se cassait, hein, quand on le mettait, là. Ça cassait, c'est cassé, ses côtés. Là, c'est Nina, je voulais voir. On la voit pas. Peut-être que je l'ai pas. Peut-être que sur le bord de la piscine, j'avais peur. Ouais. Une blonde, blonde à l'époque. Là, c'est un lac qu'on avait été faire un pique-nique. Puis je pense que c'est là que, dans le bout où c'est... Denise est là dans l'eau, puis elle est approchée avec sa petite. Elle était pas vieille, Nina. Et puis, il paraît que c'est noir de même, hein? Tu vois, elle est toute petite, Nina. Regarde-la, la petite portugaise. Elle était cute, elle était cute. Ah, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, là, elle est pas pareil, mais elle est toute mince, elle a pas le... Là, ça avait un visage de bébé, là. Je veux que l'oreille apprenne, tu sais, pas avec hein, la vue là. Ah, oh, un petit bec. Laurent est couché à terre. Une photographie avec couché à terre.
Rock. Ça, c'était à Lodi. C'était où les beaux-parents de Denise demeuraient. Ils nous avaient amené les visiter, les rencontrer. Puis, parce qu'elle était divorcée, mais elle continuait à fréquenter ses beaux-parents. Et puis, il était sur une ferme de tête des bœufs, tu sais, pour la viande, là, tu sais, une grosse terre. Là. Il était gérant, le père, tu sais. Oui. Nina, ah là, on est dans le cours d'un de ses voisins, là, qui avait fait un pique-nique chez eux pour nous recevoir, son ami. Et son mari était flirt comme tout, il flirte avec moi. Ah! Oh! On est dans quelque part, il s'est amené à côté de moi, maintenant, mais il me faisait des compliments. Eh, là, Denise avait jamais à se faire photographier. Ça, c'était des amis qui avaient invité. Oh, Michael. Son amie, c'est elle qui nous recevait, là. Elle était, espagnole, je pense. Je sais pas si c'était pas. Elle était toute surprise quand Denise et moi parlait en français. Regarde-la donc, elle parlait français. Elle était sur... Ben, Denise, elle dit, ben, c'est ma langue. Ben oui, c'est ça. Elle avait fait un gros buffet, hein. Elle avait dû manger là. Elle nous avait bien reçus. Il y avait d'autres enfants, des voisins. Nina. Nina Maria. Aujourd'hui, elle a 3 enfants, puis elle est divorcée, puis elle est remariée. Avec ses 3 enfants. Elle a trouvé quelqu'un. Ah, le soir, il avait fait un feu d'artifice. C'est ça, c'était le 4 juillet, ça. 4 of July, la fête des Américains. Il avait fait un feu d'artifice. On avait bien eu du fun avec ça. Il tenait les fuse dans sa main, il faisait croire qu'il partait avec. Il me faisait rire.
Ah, là, on est revenu, là. C'est un beau lac, ouais. C'est peut-être à Yosemite, là, on va voir. C'est à Green River. On va voir quand on... C'est le bord de l'eau. C'est en chemin à Yosemite, là. Ça, c'était à eau. Puis là, le char avait chauffé. Oh, il avait fallu qu'il aille chercher de l'eau pour mettre dans le radiateur. Ah! Oh. Hey, là, j'ai eu peur. Là, c'est là que les arbres là, sont assez hauts, sont assez gros. T'as un gars, il amenait de l'eau pour le mettre dans le radiateur de l'auto. Hey, puis là, il y avait le pied au fond du gaz, puis on faisait du 5 000 à l'heure. Tellement. Yosemite National Park. Ah, je sais pas, là, demande-moi pas ça par cœur. Hein. Et puis, je l'ai probablement écrit. Mais il y avait... Les arbres, là, il y en a un, là, il était taillé, puis un auto pouvait passer à travers comme un tunnel. C'était un arbre. Mais c'était dangereux, ils ont arrêté de faire ça. Là. Mais il y a encore des cartes postales qui s'est photographiées dessus, tu sais. Mercy Cannon, c'est ça. Ah oui. Ah oui, il y avait des petites chutes, là, des filets, là, il y en avait 7 demain. C'était tout beau. Toute beauté. Ouais. Dans les rochers. C'est de valeur qu'on n'a pas les vraies couleurs, là, tu sais. Il y a probablement des films aujourd'hui qui sont pris. Pour National Geographic, là, qui donnerait justice. Oh, faut que j'arrête de boire. Ben, je n'ai pas pris gros, mais on a de la misère à passer. Ouais. Ah, ça, c'est la petite fille que Laurent a sauvée à noyade, là. Elle était après se noyer, puis elle a sauté dans l'eau, puis parce qu'il y avait un rocher, on va le voir, là, puis il y avait bien des jeunes qui allaient se faire griller, là. Et elle a pensé que tu pouvais marcher jusqu'au rocher, mais il fallait nager, parce que c'était une rivière, là, c'était bien cru, à un moment donné. Puis là, sa mère, elle est là dans l'eau, la jupe levée, elle est pas en costume de bain, puis elle crie « come back, come back ». Puis là, la petite est après se noyer. Fait que ils sont deux qui ont sauté dans l'eau. Laurent est arrivé le premier, puis c'est lui. Puis il n'y a pas à dire, il avait ses béquilles, hein? Mais il nageait pareil, ça ne l'empêchait pas de nager. Et puis ces gens-là, ils nous ont envoyé des cadeaux pendant 3 4 années. Ils m'ont supplié pour qu'on réécrive. Puis je dis, Laurent, c'est toujours moi qui leur écris. Écoute, là, c'est à toi qui écris. C'est à toi de répondre. Puis ils ne voulaient plus. Ils étaient tannés, ils ne voulaient pas qu'ils soient. Le restant de ses jours reconnaissant, tu sais, d'avoir fait ça. Mais la chose qu'il aurait pu faire, par exemple, s'arrêter, on ne savait pas. On a vu en bas, là, que quelqu'un qui fait un acte de bravoure, il reçoit un chèque de 100 piastres. Parce que c'était pas que là, 100 piastres, c'était beaucoup. Et puis, leur nom est inscrit. Ça aurait été le fun, tu sais. Mais ils l'ont pas rapporté, puis... Ouais. Tegab, il est là dans une hutte, c'est noir, les huttes d'Indiens, là. Oh, c'est un beau parc, ça.
Ah, là, on est rendu chez l'oncle Paul. C'est tante Stella qui est là, avec ses garçons. Ça, c'était pas loin de Los Angeles. C'était Beach, ça s'appelle le nom. Comment ça s'appelle où il restait, l'oncle Paul, là? Ça finit par Beach, le nom. C'est Cherry Street qu'il fallait débarquer. Je me souviens de la rue, je me souviens pas du nom de la place. C'était Long Beach, je pense. Ouais. Ah oui, j'étais bien blonde à cette époque-là. Ouais. Ça, c'est Norman, c'était celui du milieu, ça. Elle a eu trois garçons. Et il n'en reste pas des fesses. Il avait fait ce voyage-là, Becky. Ouais. Ah oui, puis il conduisait de la patte gauche. Parce qu'il pouvait pas mettre de pression du tout sur la patte droite. Il avait fait signer un papier parce qu'il avait refusé. Ça, c'est le plus jeune. Il est tablon, lui. Ouais, Danny. Ouais, Danny. C'est des Daou. Danny Daou. Ah oui, il y avait un Disney, là, en Californie. On avait été avec eux autres voir ça. Celui de la Floride est plus beau maintenant parce que c'est plus neuf. Ça fait longtemps que c'était construit, là. C'était bien le fun. C'est un plaisir pour les yeux. Tu sais, il y a tellement de choses, là. Même les adultes, c'est pas juste pour les enfants. Surtout, j'ai dit, moi, je vais là, puis ça me rajeunit de 10 ans. Non. Voilà. Mais moi, quand j'étais jeune, mes parents, ma mère, nous emmenait à toutes sortes de places. C'était pas loin. Mais tout ce qu'il y avait à visiter autour de Montréal, en montagne, partout, elle nous emmenait. On n'avait pas d'auto. Oui, on allait à la plage Bissonnette, au bout de l'île. On allait à la ville des Castors, qui appelait. Regarde les sirènes. Ah, je ne sais pas où c'était. Et on allait là, puis on visitait. Il y avait des castors, puis ils étaient dans les cages, puis là, ils nous parlaient d'eux autres. Ouais. C'était dans le bout de l'île. Il fallait prendre un tramway, puis retransférer, On était toujours rendu au bout de l'île, au bout de la ligne. Ouais. Les filles, hey, tu sais, c'est photographié, on est dans un sous-marin, puis il y a des hublots, puis je photographie de là. Les filles en dessous, là, qui font des spectacles, les mermaids, les sirènes qui se promènent, ils s'assoient sur une roche, ils se peignent, ils ont des gros peignes, puis ils se peignent les cheveux. Ils font un petit peu chaud, tu sais.
It's a wonderful world. Ça, j'ai filmé là-dedans. It's a small world. Regarde l'éléphant taillé dans l'air. Ah oui, c'était assez beau, je ne voulais pas que ça finisse. It's a small world. Et puis c'était éclairé, hein? Tu vois, là, j'ai pas de lumière, moi, là, là. Fait que j'avais filmé, là. Puis ça chante tout le long, tout le long. C'est là qu'il faudrait mettre la musique. It's a small world you live in. It's a... Je ne sais pas l'air tout à fait, là. It's a small world. Hey, c'est cool. Ah oui. Regarde Blanche-Neige qui est là, les sept nains alentour. Oui. Grungy. Grunchy. Grouchy. La souris sur le bout, là. Ah, puis Bugs Bunny. Des mariachis qui genre. Il y a quelque chose partout, partout. Le bateau de pirates. On n'a pas embarqué sur celui-là. On a embarqué sur le bateau de la jungle. C'est ça, un bateau comme ça, là. Qui, on se promène dans la jungle. On va voir. Puis celui-là, ça c'est le vaporo, un genre de bateau à vapeur qui, puis avec les filles habillées comme les Southern Belles. Ouais. De quoi? Ça c'est Jungle Cruise. Là j'ai filmé, là, tu vois des affaires dans la forêt. T'es sur le bateau, là, puis tu vois toutes sortes de choses, tu sais. Tu vois des éléphants, tu vois des animaux, tu sais, puis des indigènes, l'éléphant qui se fait aller la trompe puis qui envoie de l'eau. Ben non, c'est toute mécanique. Ah oui, et là même, les herbes toutes, là, c'est, puis ils bougent. Puis des fois, t'es pas sûr, c'est pas vrai. Il y a un lion là-bas. T'as le fun, ça. Ah oui, ils font leur danse. Knoxbury Farm, c'est un parc qui émite comme Frontier Town, tu sais, comme les premiers temps, là, la frontière. Pis. Ça, c'est en Californie. On est encore avec l'oncle Paul, je pense. Comme. C'est en 66, ouais. Tu veux l'année s'asseoir entre les deux avec entre les deux filles. Ah oui, avec le stagecoach. Tu sais, ça, c'est un des garçons de notre Paul qui est avec lui. Ma tante Stella qui est là. C'était pas, tu sais, après avoir vu Disney pis tout, là, disons, c'était plus petit, tu sais, mais c'est pas rien.
Là, on est rendu à Hollywood. La place qui est le théâtre, là. Hollywood Bowl. Et puis, tu sais, on regarde où on va être assis. On a acheté des billets. C'est notre anniversaire de mariage. Puis, on était là à garder les enfants. Puis là, on avait été acheter des billets. Puis, on avait été voir le ballet Bolshoï. Le soir. Puis, tu vois, c'est ça. Je m'en vais, là, dans le bout où on va être assis. C'est des petites loges. C'est ça, on va être assis là. Ouais, c'est ça, dans le jour, on peut aller visiter. La place est dehors, gros théâtre, là. Et j'avais rencontré Shirley MacLaine, l'actrice, puis j'avais fait autographier. Je l'ai encore, le programme avec son autographe. Ouais, elle avait un manteau de vison long jusqu'à terre. Là, on est rendu à l'observatoire Griffin Observatory. On avait visité ça avec l'oncle Paul et les enfants. J'ai pas filmé longtemps, je trouve. Chinese Theatre. C'est là qu'ils mettent leurs tu sais, qu'ils impriment. Regarde, Maurice Chevalier, c'était marqué, qu'ils écrivent leur nom, puis ils mettent leur pas, leurs pieds, leurs mains. Ça, c'est la première communion de Norman. Quand ils ont appris qu'on y allait, ben ils ont pas été à sa première communion. Ils ont dit, on va y faire faire quand c'est parrain et marraine qu'on était. Fait que on est allé à la messe, puis il a fait sa première communion. Puis c'est ça, il est là, puis c'est moi, ça. Il a acheté un beau petit costume blanc avec un petit chapeau de plume noire. En noir et blanc. Ça, c'est chez eux. Il avait reçu du monde, tu sais. Puis il m'avait pas fait de lunch. Oui, chez l'oncle Paul. Tu vois, il est là debout en arrière de moi. Puis c'est les garçons qui sont là autour, là. Ils me donnent la main. Oui, c'est dans. Eux autres, Denise, elle demeurait pas loin de San Francisco, puis eux autres, ils demeuraient pas loin de Los Angeles. Fait que là, à un moment donné, on est sur notre tour, puis le char chauffe. On est dans le désert, puis il fait chaud, là. On arrêtait, il n'y a pas d'arbres, alors les seules places qu'on pouvait avoir de l'ombre, c'est en dessous des passes.
des chemins qui vont au-dessus de nous autres. Fait qu'on arrêtait là pour faire refroidir le char. Et puis là, les gars, il y avait des chips, puis ils donnaient ça aux fourmis à terre. Il y avait du fun à regarder les fourmis traîner, petits morceaux de chips. Ouais. Là, on est rendu à Overdam, pas loin de Canyon, là, Grand Canyon, puis on est arrêté là sur le bord de l'eau. Mais il n'y avait pas de nage, là, il n'y avait pas de baignade. Ben, il y en a, là, dans l'eau, là. Je pense qu'on s'était pas baigné, mais je pense pas que ce soit nous autres. C'est juste chemin faisant. C'est ça, on avait été, c'est à Overdam. Regarde ça, c'est gros. Hey. Puis parce que Laurent était en béquille, ben, il l'avait mis dans une chaise roulante, puis on avait passé en avant de la lignée pour aller visiter. Il y avait une grande lignée à chaleur, puis on passait souvent en arrière, en avant des lignées à cause qu'il était en béquille. Mm. Yeah. Ouais, puis une fois, ça prend un ascenseur, puis... C'est ça, il pourrait pas prendre les marches, tu sais. Ah, c'était quelque chose, quand tu as bâti ça, là, j'ai vu un film, là. Là, on est rendu à Las Vegas. Le Dunes, qui est le Sand, c'est plus là. C'est tout démoli, ces hôtels-là. Golden Nugget. C'est là qu'on va peut-être voir l'entête, là, Gisèle McKenzie, qui était la chanteuse, là, qui était populaire au Canada, puis elle avait chanté à Las Vegas. Gisèle Pierre, dans le fond, c'est notre première Céline Dion, ça. Mais c'était pas populaire comme aujourd'hui, tu sais. Ouais. Ça, c'est Thunderbird de Sahara. Hey, j'ai filmé ça le soir, là. Je suis dans l'auto, hein, l'automarche. C'est pour ça que ça bouge. Pas de lumière ni rien. C'est assez illuminé, là. Tu la voyais de loin, la ville. Tu pensais qu'il y avait quelque chose en feu au loin. Tellement que c'était illuminé. Ah oui, ça c'était dans la vieille partie, c'est sur Fremont. Il n'y avait pas le Strip à l'époque, comme aujourd'hui, là, que c'est les plus hôtels plus modernes là, qui sont là. C'était la rue qui avait le plus d'hôtels. Le Dunes, Dunes, il était sur le Strip. Gisèle McKenzie. Ouais. Golden Gate. Un carousel. Mint. Golden Nugget. Les Four Queens. Ouais, juste dans le lobby, mais on vous avait dit, vous restez là. Il y avait des sièges.
Et puis nous autres, on avait été jouer ces slot machines. Mais à un moment donné, on revient, ils sont plus dans le lobby. Là, hey! Là, je me promène. Parce que les enfants, ils ont pas le droit d'aller dans le casino, hein? Fait que là, je me promène. Il y a des corridors avec des magasins, ce qui mène à l'hôtel. Puis là, je me promène, je cherche mes gars, puis tout, on est là qui se promène, je cherche les garçons, on était inquiets. D'un coup, ils sont debout devant une porte, que des fois, ils ouvrent la porte, puis il y a des danseuses sur le stage. Fait qu'ils attendaient que quelqu'un ouvre la porte pour voir les danseuses. Les danseuses avec le petit costume. Là, on est rendu dans Grand Canyon. Ça, c'était spectaculaire, hein? Et ça, c'est le dernier bout du film, parce que là, la caméra commençait à marcher mal. Je sais pas qu'est-ce qui arrivait, puis je pense qu'on l'a jamais bien fait réparer après. Il doit pas avoir un grand film après ça. Ouais. Ah oui. Ouais, ça, c'est le parking. Et là, le stationnement est extraordinaire au Grand Canyon. T'avais jamais besoin de reculer. Il était fait pour rentrer puis sortir. Là, t'étais toujours en avant. T'avais jamais besoin de reculer. Tu vois, regarde, l'image commence à être floue. Là, à un moment donné, je filme au loin. On voit une petite avion, elle est tout petite. Ça nous montre l'immensité de la place. C'est 2,5 milles de large, hein. Oh, c'est quelque chose. C'est 9 000 de long. Il y a du monde qui vont faire du camping. Ils descendent à dos d'âne. Puis ils vont faire du camping, passer la nuit à la Belle Étoile. Ouais. Mais les couleurs étaient superbes, surtout au coucher du soleil, là. J'ai un livre, j'ai acheté un livre, là, parce qu'il y a toutes sortes de photos, là, tu sais, hein. Sur la pierre, là, les roches, ils sont toutes sortes de couleurs, tu sais. L'auto qui est là, sur le bord. Laurent qui est là. C'est un belvédère. Regarde le petit avion. Hey, elle est tout petite. Hein? Elle apparaît tout petite. Elle n'était pas tout petite. Elle apparaît petite. Ça, c'est la fin de...